Et salut tout le monde, c'est LoveMine et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Planet Coaster. Et donc sans plus tarder reprendre, comme ça direct là où je m'étais arrêté la dernière fois, c'est-à-dire avec ces petites maisons en pain d'épices. Normalement, si je dis pas de bêtises. La petite musique d'ambiance. Hey. Ah nice, ok. J'apprends des choses en même temps. Alors, attention quoi? Attention rien. Les visiteurs pensent que le prix de Madness est très attractif. Bah très bien, c'est fait pour. Ok. Alors, on a un peu de tutune. On a ça qui tourne bien. Alors, les files d'attente sont un peu light. Hop. Cette attraction est juste trop bien en vrai. Parce que ça rapporte masse thune. Et ça tourne vite. Ça prend plein de monde. C'est cool. Ok, mais il va falloir rajouter un petit peu des attractions. Parce que ça commence à faire vite. Tout ça, tout ça. Alors, non. Est-ce qu'on peut rajouter peut-être plus... Nye, bête, hein. Voilà. Peut-être plus quelque chose... Bon, je déplacerai la poubelle, c'est pas grave. Hop. On va essayer de tracer plus une route comme ça par là. Je mettrai peut-être des boutiques ou des choses comme ça par ici. Alors. Des montagnes russes, on a quoi? Ah, mais ça va coûter un petit peu trop cher, j'ai l'impression. Prix croissant, déjà, ça peut être cool. Ça, on l'a déjà. Oh, de toute façon, j'ai pas assez de thunes. Ok, bon. Alors, les montagnes russes, on oublie. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça, d'accord, on oublie. Attraction. Prix croissant aussi, ça va être plus simple. Alors, ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Ça, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Y'a pas un truc qui vous plairait, là, les gars, sinon? Oh, 5,60, 5,95, 5,60, ouais, je l'ai déjà, 5,60. Non, ça ils veulent pas. Ça... Ok, bah alors il y a ça, c'est quoi ça? 5,95, ça a l'air nul. C'est quoi, The Cube? Bon, écoute, écoutez, ils ont l'air de vouloir ça, donc on va leur mettre. Ah non, en fait, ça a l'air bien. Ah, je vois ce que c'est, ok. D'accord, alors. Alors, l'idéal serait de faire ça comme ça. Ah ouais, non, faut le mettre comme ça, parce qu'il y a, il y a le mec de l'entrée juste ici. Hop, à peu près droit. On va essayer de le reculer un petit peu pour mettre une file d'attente assez grande. Alors, placer l'entrée. L'entrée toujours, hop, de sorte à ce que la sortie soit plus loin que l'entrée. Voilà. Relier l'allée. Enfin, faire des petits zigzags comme ça, tranquille. Hop, tac, tac. Hop, voilà, la sortie, on s'en bat les reins, on la met vite fait en ligne droite presque. Allez, on met un petit virage pour que ça soit un petit peu cool. On va rajouter des petites décorations, non pas ici. Alors déjà on va l'ouvrir, ça va être plus simple. On va l'ouvrir, le prix du billet, tac 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 tac. Allez, je suis généreux, c'est mon genre de bonté, tout ça tout ça. On va le baisser d'un dollar, c'est cool. Environnement, allez, rajoutons des petits décors sympathiques. Ça c'est cool. C'est peut-être un peu trop gros ça. Hop. C'est pas trop en thème de l'hiver, mais de toute façon avec l'hiver il n'y a pas grand chose. Tout est gros. Ou comme arbre je parle évidemment. Ça juste, c'est juste énorme ça. Hop. Ceux-là c'est encore pire. Pourtant ils paraissent plus petits ceux-là. Tac tac tac. Non, on va pas mettre de trucs morts, c'est triste. Des cactus dans la neige, ouais c'est génial, c'est une très bonne idée je pense. Hop, ça, 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 histoire de décorer un petit peu. Hop, on va rajouter des petits bancs ici, des bancs comme ça, c'est cool. J'aime bien ces bancs là, ils sont pas trop de style. Je veux dire, ça a pas de thème particulier. Hop, avec des petites poubelles ici, 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 parce que les gens jettent tout par terre sinon. C'est des gros dégueulasses, c'est génial. Hop. Et ça, on supprime. Ok, on va essayer de rajouter, comme je disais, des petits trucs. Alors, tout ça, on a ce qu'il faut. Oh, distributeur. Ah, tiens. En fait, le truc de la neige, c'est les trucs les plus chers, je crois. Ouais, c'est un petit peu chiant. Une entrée, bon. On va revenir sur l'entrée. Est-ce qu'on peut placer une entrée un petit peu stylée qui coûte moins de 3 milliards? Entrée. Ah. Ok.
Elle est où l'entrée? Est-ce que y a moyen de faire un truc genre un petit peu joli? Je l'ai mal placé, c'est génial, hein? Je l'ai juste mal placé. Mais est-ce qu'on peut par exemple... Ah mais ça doit être galère à placer. Si je veux en aligner plusieurs, en fait ça va être galère, j'ai l'impression. Faudrait pouvoir... Pourquoi c'est pas au centre de mon écran déjà? Voilà. Peut-être comme ça, et encore c'est pas ouf du tout. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça, c'est très bien. Hop. Voilà. Qu'est-ce que ça dit cette attraction? Alors oui, alors évidemment, toujours le même souci, c'est que Marcel, il laisse rentrer 3 personnes à chaque fois. Alors, capacité, on va mettre aux 3 quarts, voir comment la file se passe. Voilà, parce que sinon il va mettre 10 personnes à chaque fois, et c'est chiant. Bon, revenons-en ici, les boutiques et les petits services. Des toilettes, c'est très important des toilettes. S'il te plaît, mais c'est les trucs les plus chers du monde, quoi. Oh là là, oh non. Moi, des toilettes comme ça dans un parc d'attractions, j'y vais pas, quoi. J'ai peur. J'ai peur de me faire violer si j'y vais, quoi. C'est chaud. Vous savez quoi? On va refaire un crédit. De toute façon, j'ai plein de thunes. C'est juste pour gagner du temps. Alors. Un petit crédit. Ajouter un emprunt. 10 millions, parce que... 10 000 plutôt, pas 10 millions. Comme ça, on n'en parle plus. Tup, 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 tup. Alors. Non, on a dit boutique et services, des toilettes, parce que les gens ils vont se faire dessus, sinon c'est pas cool. Ah d'accord, l'entrée. Okay. Alors, un petit peu plus loin, c'est cool. Voilà. Ça, du coup, on a dit le distributeur aussi. On va le mettre pas trop loin, que les gens ils aient pas aller trop loin pour me donner les sous. Hein. C'est plutôt cool. Hop, ça c'est cool. Il n'y a pas des grosses décos. Je pense notamment, je sais que... environnement, bâtiment. Ah mais non, ça va être pareil, ça va être... ça va rien. Non. Ah, ça sert strictement rien. Je veux pas rentrer dedans ou... D'accord, ok. Très bien. Non, je pensais des décorations un petit peu jolies, petite plutôt festive. Ah voilà, c'est cool ça. Bon, on peut pas y aller, mais c'est cool, ça fait de la déco, machin. Ok. Et du coup, est-ce que même je peux rajouter peut-être une attraction? Alors, par contre, niveau sous, je veux juste voir. Est-ce qu'on peut pas avoir par exemple une courbe? Séquence, entretien, gestion. Non, on peut pas savoir combien ça rapporte. Ah. Revenu possible, coût. Ah, d'accord, pour le moment ça coûte plus cher que ça. Ok, très bien. Ok, c'est pas ouf du tout. On va peut-être repasser le prix à 10 en fait. Ah non, revenu possible 700, ok. Coût 500, ok. On va laisser comme ça. On va voir pour se rajouter une petite attraction. Qu'est-ce qu'on a? Un petit truc fun. J'ai ma stune du coup. Est-ce qu'on pourrait pas rajouter une putain de montagne russe? Plus de 300. Ça je peux... ça a l'air stylé ça. Oh ils le veulent en plus. Non, non ça c'est trop cher et ça a l'air nul. Ouais je peux partir sur 100. Oh c'est énorme. Oh comment c'est trop gros. Oh. Ok l'idée ce serait de... Ok on va prendre ça mais juste il va falloir tracer la route. Qui va y mener. Hop, parce que ça va être une grosse attraction et je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait des passages qui passent en dessous parce que c'est stylé. Montagne russe, on a dit. Oh, plus 300. Oh, par contre, ouais, elle est juste énorme. Hop. Oh non, ouais, ça, je la veux de. De dos peut-être. Ouais, non, mais on voit rien comme ça. Je pense que comme ça ce sera plus représentatif. Même, je sais ce que je vais faire. Ah ouais, mais il y a l'autre juste là en fait.
Ok. Alors, on va placer l'entrée. Pareil, même si... Ah non, c'est de l'autre côté. Fuck. Ah, ça va être galère, ça. Merde. C'est mal foutu, ça, par contre. Ok, on va essayer. Sinon, sinon c'est caca parce que je vais devoir refaire, en fait. Sauf si j'arrive à... Oh, ils peuvent pas descendre en toboggan. S'il vous plaît, en toboggan. Alors. Je vais juste regarder dans les contrôles. Hop. Paramètres, contrôle, interface, commande. Commande souris, commande déplacement des objets. Pour faire descendre, modifier la hauteur. Mage plus... Ok, très bien. Hop, passe à l'entrée. On a dit mage plus... Non. 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 Ok, on n'a pas la même truche mage ou quoi? Alors c'est ton plus moins qui est pas le même. Ok, on va juste modifier la touche alors. Ça va être plus simple. Paramètres, commande. Modifier la hauteur. Ah très bien, d'accord. Ok, très bien. Modifier la hauteur. Shift. Ah non, très bien, ok. Alors, attendez. Si... Non! Non, c'est bon, c'est ça. Ok, alors du coup, normalement... En fait, j'ai juste à faire ça. Ah ouais, ok, d'accord, ok. Mais sinon, la rampe a fait combien de kilomètres de long parce que... Ah, c'est bon. Ouais, allez. Non, on va dézoomer. Ouais. Je fais n'importe quoi avec des contrôles. Ok, d'accord, ça casse des trucs pour qu'on puisse... Ok, c'est cool. Hop. Voilà, et pour la sortie, alors on va... Alors... Ah ouais, je vous propose de la tester. Ouais, est-ce que ça fait 12 petites minutes? On la teste et je fais la sortie après. Alors, hop, tester, entretien, tester, gestion, tac. Commencer le test. Se mettre, normalement, le deuxième siège est toujours le meilleur. Non! Siège 2. Oh non, c'est le... en fait, le mieux, c'est le premier. Ok. Non, non, mais non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Attention, est-ce que cette montagne russe vaut le coup, hein, parce qu'elle m'a coûté plutôt cher. Oh, ça va vite. Oh, ça va vite. Avec un casque de réalité virtuelle, comme je disais là, dans le premier épisode, ça doit être un truc de malade. Ouh, je pense que le jeu est compatible. Enfin, ce serait cool que le jeu soit compatible. Normalement, oui. C'est tout. Putain, j'ai payé super cher pour juste ça. On refait un tour. Ah, j'ai payé super cher pour rien, en fait. Enfin, pas pour rien, mais... C'est court, quoi. Ouais, non, bon, ok. Ok, donc ça fonctionne, on va l'ouvrir, c'est cool. Alors par contre, les gens peuvent pas repartir. C'est génial. Le prix, il est à 9. On va laisser à 9. Je veux placer la sortie maintenant. Pourquoi je peux pas... Là, il veut plus descendre. Alors. Mais non, il est en train de me faire une file d'attente. Là, il est idiot, quoi. Non, ouais, il me fait une allée. What? Donc, on prend une file d'attente, en fait. On va repasser au-dessus. C'est trop stylé. Wow. On va éviter de faire une file d'attente. Enfin, une file de retour trop... Non. Je me trompe de touche. Et là, ça passe pas, là, évidemment. Oh, attends. Déclic. Hop. Non, mais l'idée, là, enfin, c'est cool de passer par-dessus tout ça, mais il faudrait juste que j'arrive à descendre. Ok, ça y est, j'ai réussi. C'est un petit peu compliqué à utiliser leur truc. Hein. Bah, du coup, on passe au milieu de l'attraction quand on y va et quand on repart. Du coup, c'est plutôt cool. Ça peut prendre pas mal de monde. Par contre, je vais demander que ce soit rempli aux 3/4. Parce que sinon, il va partir à chaque fois à moitié vide.
Tac. Ok. Donc ça, c'est bon. On va rajouter un petit peu de personnel. Oula, vous savez quoi? Vu la durée de l'épisode, on va s'arrêter là. Ça va être super court. Donc on aura fait pas mal de choses. On aura rajouté un petit peu plus de trucs déjà. C'est plutôt cool. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.